Bon, du coup, bah c'est parti. C'est parti, c'est parti. Du coup, coucou aux gens de YouTube, hein. Petite pensée à eux, de là où ils sont. Et alors, je vais juste regarder. Et il n'y a pas le choix de qualité aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce... Je ne comprends pas Twitch. Allez hop, et on passe sur la grosse vue. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? La dernière fois, on avait été à Méridian déjà, donc c'était pas mal, on avait chopé des quêtes. On avait été voir Olin, qu'on avait sauvé. On l'a libéré sa famille, et là on était plus en mode chasse, chasse, pêche, nature et tradition. On a aussi sauvé une gonzesse, en gros, c'est son frère qui avait envoyé des monstres, enfin, des robots chez son père pour qu'il tue tout le monde, comme ça lui il héritait du domaine. Sauf que, eh ben, sa sœur est encore vivante, je suis arrivé, j'ai sauvé sa sœur, lui il s'est fait défoncer, et puis paf, voilà. Tout le monde est content. Bon, à part la fille du coup qui a perdu son père, toute sa famille, son frère, enfin bref. On peut pas tout avoir non plus. Et le temps que ça charge, parce que c'est toujours des chargements à la con, je lui mets le chauffage. Et voilà. Parfait. De manière tout à fait... furtive. Allez, allez. Voilà, parfait. Donc, si on regarde notre super carte, on avait dit qu'on devait faire. Donc, on a une quête là, on a plein de quêtes ici, on en a une là, une ici loin. Et on a aussi donc un camp de chasse là. Et c'est tout. Alors sachant que moi le camp de chasse ça m'intéresse beaucoup. De la même manière, il y a ça ici qui m'intéresse. Et ça ici. Oula, pardon. Du coup, salut Sacha et au revoir Sacha, désolé pour la qualité. Franchement, je sais pas pourquoi c'est limité à 720p, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va commencer par... Par... À limite, je vais faire ce feu de... Je vais aller à ce feu de camp là. Je vais descendre. Je vais aller à ce truc là. Ensuite, comme ça, je pourrais descendre, révéler des trucs et aller jusque ici. Je pense que ça peut être pas mal. Allez, c'est parti. C'est bien de donner une astuce sur le déplacement rapide que je suis exactement occupé d'utiliser. C'est toujours pratique de mémorer ce genre de choses. Plus là, juste à côté du feu, il y a des bébêtes à contrôler, à pirater. Allez, le jeu. Dépêche-toi. Limite, j'ai audio only, l'un de l'audio description, ça se tente. Ça te tente. Ouais. Ça risque d'être compliqué et très chiant pour les autres gens. Mais... Du coup, demain, c'est ton anniv. Je vais très certainement oublier, donc je te le souhaite déjà maintenant, Sacha. Bon anniversaire. Alors, du coup, maintenant que je suis au feu, faut que je me retourne. Et du coup, par là, normalement... Oh non! Oh non, un oiseau. Je déteste ça, les oiseaux. Ah mais attendez, attendez, c'est la panique. Attendez. Attendez. Il y a l'oiseau, il fait chier, je bouge pas.
J'espère qu'il va m'oublier, partir. Oui, il part. C'est bon. Alors attendez, pas de panique. Pas de panique, pas de panique. Alors, il se peut que vous ayez entendu un bruit de fond. De type un oiseau. Simplement parce que la sortie de mon... Enfin, ma PS4, la sortie son est sur l'écran. Sauf que du coup, bah, il fait du son. Parce que j'ai pas branché mon casque dessus. Attendez, je cherche le trou. Pas de panique. Allez, allez, allez. Voilà, c'est bon. On est trois, ça va. Tu rends le stream visi audible pour un tiers de tes viewers. Ah, il y a les gens aussi sur YouTube. N'oublie pas. Non, 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 non. Je ne suis plus là, monsieur l'oiseau. Bon, on emploie la manière courte. Ah merde. Attendez, je connais déjà plus les touches. Oh non, mais c'est un gros oiseau en plus. Allez, descends. Non, sérieux. Tombe. Bâtard. Bon là il m'a fait tomber. Là il est tombé comme une merde. Que là, Sacha, faire de l'auto-description, ça serait compliqué. Ah, c'est ridicule. Vite.
Je peux pas la voir. Aïe. C'est bon, il est mort. Putain. J'entends des poulets robots taper avec des casseroles. Ou à moins qu'ils chantent. Non, c'est... Il me tapait. Enfin, il me tapait. Il essayait, en fait. Sauf que je le démontais. Et il a droppé des trucs super intéressants. Donc, pour les trucs super intéressants, comment ça se passe? On va jeter des choses moins intéressantes pour avoir la place. À moins que... Attendez, à moins que... Capacité... Oh... Il me faut des os de renard, tant pis. On va jeter des trucs. Genre ça, ça c'est de la merde. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Voilà. Ça je peux prendre tout ça, voilà. Coucou Esta, j'ai le Riven pour Nami Skila. Ah, moi j'avais eu pour Nami Solo. Nami Skila c'est très bien ça. Bon, du coup, cet oiseau de merde, on l'a eu. On se refait des munitions, du coup. Ok, donc il faut que j'aille où? Parce que là... Donc déjà, faut que j'aille là chercher une monture. Ah, t'as pas le prime. Ah, dommage. J'entends une femme, elle doit peut-être violer les poulets. Non. Non, non, non. Enfin, dans un sens, je le défonçais, mais... Piraton, piraton. Juste un petit réglage. Et il faudra que j'aille là. Allez. En route. À dos de taureau. Dommage que je suis pas PC, j'aurais pu t'en faire cadeau, quoi. Ah non. Ok. Tu parlais ici. Je vois un grand front ici. Oh là là, c'est horrible. Oh là, c'était une idée à la con ce que je viens de faire. On va descendre par là. Qu'est-ce que t'as eu des DD comme Riven? Ah voilà. Je prends pas les routes les plus simples. Je prends même pas vraiment de route en fait là. Je coupais à travers la montagne. Et je casse des cactus. Mode Riven pour les ripcasts. Ah oui, c'est bien. Ah, c'est... En fait, ça dépend. Parce que les ripcasts, ils ont un mode spécial pour elle. Et le Riven, il doit être avec 5 bulles, donc ça peut peut-être rendre l'arme viable. Bon, un signal se rapproche. Signal se rapproche. Allons le défoncer, lui. Aïe. Wow. Ah non, en fait. C'est mon... C'est mon pet qui s'est fait stun, je pensais que c'était lui. Je
Voilà. Franchement, ça s'est pas joué à grand chose. C'est bon, il est vivant. Bah écoute, si tu peux venir. Attends, avant. Hop. Non, en vrai, il y a des trucs qui soignent. Je les prends avant d'aller dans le creuset, hein, parce que le creuset sera pas une partie de rigolade. Alors, mais elle est moche. Et Ripcas, c'est les doubles tronçonneuses, non? Ou je me trompe? T'as un Riven pour le Vectis, toi, Sacha? On bat les couilles. J'aime pas les snipers. Doucement, cowboy. Je garde ça pour la route. Y a des plantes, on prend. Oh oui, oh oui, oh oui. Ah, je suis aveugle. C'est bon. Pourquoi c'est lui qui gagne quoi? On se fait un 1v1. Hop. Ça on prend la bobine, on s'en bat les couilles. Ça on prend. Y'a plus d'ennemis. Des loot là et là. Ça descend. Donc c'est à la fois... Ah oui, ça doit être pour le retour du coup. J'allais dire que c'est à la fois un creuset et une ruine, mais non. J'en aurais sûrement besoin. Oh, il y a de l'écho. Stylé. Il y a un liquide qui coule dans ce tuyau. Qui... Ah oui, effectivement. Bon, allez. Wouhou ! Ouais, Sacha, le Corinthe, il est vraiment très cool comme fusil. Je suis d'accord. Je suis pas la première à chercher à entrer. Quel gâchis. Effectivement, ils sont décédés. Aération. Veilleur, des petites turbines. Ok. Rien dans la flotte là. Non, c'est le passage. Le passage normal pour remonter. Attendez, parce que du coup le veilleur et là hop. Salut Max PGM, je joue à quoi? Je joue à Horizon Zero Dawn, une exclusivité PlayStation 4. Je vais mettre ça de côté. Et l'un des meilleurs jeux 2017. Ils étaient curieux eux aussi. Mais je suis mieux préparée. J'espère que ça suffira. Mmh.
Ah, c'est parti en couille. Tu aurais appelé des renforts. Voilà. C'est endommagé, hein, peut inverser son sens de rotation. Ah! Bah. Cet appareil circulaire, à quoi il sert? Ok, j'ai eu un peu peur. Que les choses tournent à mon avantage. Bah en vrai je sais pas parce que oui ça tourne dans l'autre sens mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça change? Ah Luc? Ouais. Ok. Ah d'accord, si, ok. Faire le tour. Ok, nickel. Nickel, nickel. Encore ce bruit d'écoulement. Par là, y a rien. Y a un truc là, c'est quoi? Une caisse de ravitaillement. Oh. Et là en fait. Plein de trucs, je prends. Y'a pas d'ennemis par là, y'a pas d'ennemis. Revista. Je suis dans mon deuxième creuset. Merde, on peut pas voir. Merde. Ah, étage supérieur, voilà. Je suis là. Ça te donne une idée. C'est vrai que tout ce qui est creusé et ruine, pour l'instant, j'ai vu une ruine, un creuset. Et une ruine aussi où je peux pas aller. Oh, un ravageur. Je dois trouver comment traverser cette barrière. Vite, 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 allez, on part en arrière. Elle est folle. Ah, ça casse pas. Pourquoi ça se casse pas? Et du coup ça c'est censé s'ouvrir normalement, quand donne un coup. C'est bizarre. Ah non mais en fait ça fait déjà. Je suis con. Il est déjà activé. Donc du coup Jean-Michel il est là. Non là. Ça c'est quoi ça du coup? Liaison réseau, ok. Y a-t-il d'autres ennemis? Pas l'impression, ça là-bas je sais pas ce que c'est. Générateur de champ de force. C'est quoi le plus gros robot que tu aies combattu pour le moment? Alors que j'ai combattu vraiment, c'est peut-être ceux qui crachent des... Enfin, y a les oiseaux qui sont bien relous, il y a les crocodiles et il y a... Il y a les... Comment ça s'appelle? A plus Sacha. Donc attends, les crocodiles, les oiseaux et il y a les...
Les mobs, les genres d'araignées avec un truc dans le dos là. Qu'on combat dans le premier creuset d'ailleurs. Donc ça c'est un peu ceux que j'ai combattu, les plus gros. Mais j'ai vu le genre de T-Rex, mais je l'ai pas combattu. Parce que c'était dans un camp de chasse, et le problème c'est qu'il me manquait des connaissances justement de creuser. Sérieux ? Les carapateurs, ouais ça c'est les crocodiles. Non. Arrête de faire de la merde, Aloy. S'il te plaît. Oh. Ah non, descends. Ils sont trop cool les crocos. Non. Le pire c'est les oiseaux, je pense. Voilà qu'ils me chassent. Mais non, ils te chassent pas. Ils ne te voient pas, Aloy. C'est bon. Eh ben là, il y a déjà du bon sens en plus, celui-là. Non, non, tu me vois pas. Caché. Voilà, parfait. T'as pour une fois que je fais un truc discret, que ça marche. Super, je devrais pouvoir passer. Champ de force arrêté du coup. Pas vraiment. Bon, bobine gel, on s'en bat les couilles. Ah, je suis désolé, mais j'ai pas vraiment l'impression que je puisse passer. Regardez. Je m'attendais pas à ce qu'il soit juste là. Ah non, c'est là, ok. Je passe pile poil où il était en fait. C'est bien ça, non? Ah bah non. Alors c'est au-dessus. Alors, comment je vais faire? Voilà, ça dégage. Les oiseaux sont chiants, mais si tu tires sur le réservoir à leur ventre, ils gèlent, tombent au sol et sont stun quelques secondes. Bah du coup, en fait, je suis obligé de les mitrailler avec avec le lance-corde. Mais ah mais non, mais attendez. Ah, il faut que je reparte là en fait. Suis-je bête? Oui. Je suis pas sûr qu'on puisse monter. Je peux pas tricher comme ça. Non, je peux pas tricher. Ah, je peux passer juste comme ça en fait. Pas du tout discret. Bah, c'était le dernier donc. Non! Qu'est-ce que tu branles?
Aloy, arrête. Arrête tes bêtises. Ouais, voilà. On va dire que t'es bien là. Non, ça passe pas là. Merde. Non. Dégage. Arrête de t'accrocher. Attendez. Je veux juste donner un coup dans ce truc. J'ai pas la portée en fait. Du coup, on va tester autrement. Ah là, parfait. Marche bien ça. Boum pam poum param tutum tum 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 tum. Voilà. Genre, je peux pas voir son chemin. Heureusement. Ah. Ça a l'air de personne, a priori. Ah, en fait, il y a peut-être pas de chemin. Non, j'ai rien dit. J'ai l'air parce qu'il bouge pas, mais. En fait, ouais, il bouge vraiment pas. Et dodo. Alors qu'est-ce qu'il y a comme méchant? Il y a ça. Et quoi d'autre? Ah, il y en a un là. Oh bah attends, lui. On va faire une attaque sautée. Franchement, c'était presque ça. Ah, l'œil. Voilà. Je sais pas comment on fait les attaques sautées. Je tentais un truc, ça a pas marché. Bon bah voilà. Ah là, ça arrive. Alors. Ok. Une petite plante. Parfait. Moi qui viens de me soigner à peu près exactement ça comme vie. Là, il y a des trucs là. Bon, il y avait là, techniquement une plateforme, mais. Donc ça continue par là ou. J'ai pas de batterie à tout hasard. En vrai, là, mon plus beau cadeau, ce serait de trouver une batterie. Tu prends des attaques, tu les mets dans une poêle avec un peu d'huile, tu les fais revenir en les faisant sauter. Ah, bien vu. Tiens. Attendez. Attendez, attendez. Si on peut monter là. Il y a des trucs. Forcément. De la même manière, il y a peut-être des choses là-bas. Ah. Alors ça m'énerve. Vraiment dans les jeux. Il n'y a pas de plateforme, donc ton perso ne tend pas les bras. Alors que là, franchement, elle l'avait, hein. Mais bon. Salut Achara.
C'est relativement gênant, je ne peux pas repartir par là. Mais je peux partir par là. Ok, donc là c'est bien. Juste regarder. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose par là, mais je voudrais en être sûr. Je ne sais point. Tant pis. Donc là, le bas et le haut, ça doit rejoindre la même chose, hein, je pense. Les machines récupèrent de la flambée dans la nature et la versent ici, comme le sang dans le cœur. Le creuset a donc une vie propre. Il scanne les environs. Putain, j'ai alerté tout le monde, quoi. C'est quoi ce truc là? Ça fait peur, hein. Ah, ça c'est un ravageur. C'est pas bien. Ça c'est un haut de patte. Il y a pire. Brûle! Brûle! Ils peuvent pas m'atteindre d'ici, c'est trop bien. Enfin, je vais pas parler trop vite non plus parce que lui il court quand même vachement, mais. Ah. Ça y est, je vais pouvoir filer. Non, a priori ils peuvent pas m'atteindre d'ici. Flèche de précision. Je peux peut-être me débarrasser des petits veilleurs grâce à ça. Ok, je l'avais jamais utilisé ce truc. Ouais, ça regarde pas pareil si ça sert à rien. Comment elle tremble ? Parkinson, la fille. Ça c'est fait. Oh non. Tourne la tête, non? Je peux pas. Ok, nickel. Voilà. Hop. La dernière chose qu'il a vue, c'est ma flèche dans son œil. Ce serait vraiment bien s'il me cherchait pas. Lui là-bas, je peux aussi l'avoir. Ok. Donc là, il reste plus que des gros. Genre l'onde de choc qui touche la planète, c'est pas terrible. Ok, bon, je la joue un peu poussie, hein, mais pour une fois, hein, que je peux combattre sans prendre trop de dégâts. Ah, fils de pute. Je vais être obligé de descendre. Le pire endroit du monde. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais mon marché. Seems legit. Alors on va mettre un petit piège comme ça. Alors, c'est vraiment pas les meilleurs pièges du monde, hein. Duke.
Aïe. Aïe. Ah, bah non. En fait... Calme. Là, il sait pas trop où je suis, il est un peu perdu. Et là, stun, coup critique, mort. Non. Allez, stun, coup critique. Il est tombé. Il en reste plus qu'un normalement. Ouais, qui est là-bas. En toute délicatesse. Ok. Bon, le hotpot ça a été. Mais d'ailleurs le hotpot il est mort comment? Je l'ai pas tapé lui. Ah si, le hotpot c'est l'oiseau. Chaque fois j'ai l'impression que hotpot c'est les buffles ou le truc du genre, mais en fait pas du tout.